Et je vous ai pas parlé de ma montre, ma nouvelle montre Fitbit Alpha. Alta, excusez, je l'appelle Alpha. Donc c'est celle-là, c'est celle que j'ai reçue pour ma fête, c'est le cadeau que Fred m'a donné. Donc je la porte depuis que je l'ai reçue. Et c'est une petite motivation en soi là, pour mes entraînements, parce que j'ai recommencé à m'entraîner. Je l'ai eu, ça fait un peu plus qu'une semaine. Puis ça me permet vraiment d'aller voir toutes sortes de, pas de catégories, mais je veux dire comment je pourrais dire ça? Ça calcule plein d'affaires. Je vais vous donner, j'ouvrirai mon application, là, puis je vais vous en parler en gros, là, assez rapidement. Je voulais vous parler aussi des programmes que je fais, de workout. Fait qu'en gros, on a comme la petite application comme ça, puis dessus, ça dit genre combien de pas on a fait par jour, durant la journée, combien de kilomètres, combien de calories on a brûlé selon les activités qu'on fait. Ensuite de ça, ça peut déceler les activités physiques qu'on fait, comme par exemple si je pars courir, moi je cours pas pour l'instant, mais si je pars courir, ça va me dire combien de calories j'ai dépensé et tout, genre puis comment que ça l'a dépensé, dans le sens, est-ce que c'est genre 18 minutes que je suis en réduction des graisses ou ben c'est un 18 minutes de cardio, exemple. C'est un exemple que je donne de même, là. Puis dans les activités, dans le fond, tu peux avoir exercice d'aérobie, c'est ce que je fais, c'est le workout, tu peux avoir de la marche, tu peux avoir du vélo, tu peux avoir de la course, vélo elliptique aussi, les sports. Ouais, en gros, ça ressemble pas mal à ça. Puis tu peux dire de déceler, mettons, si après 5 minutes tu fais de la marche, si après 5 minutes de marche, tu peux déceler après 5 minutes de whatever. Moi, c'est pas mal toutes 15 minutes. Après ça, t'as le pouls. Donc, ça te donne ton pouls moyen. Ton pouls au repos aussi. Donc ça, c'est vraiment un choix parce que moi, je pensais que j'étais vraiment, vraiment haute. Mais finalement, je suis pas si pire que ça. J'étais à 67 battements par minute au repos. Fait que c'est très bon. En tout cas, moi, je trouve. Sinon, on peut comme garder le poids, là, genre, mais moi je me pèse pas, mais je sais que la dernière fois que je me suis pesée, j'avais ce poids-là. Donc c'est ce poids-là que j'ai rentré, selon ta grandeur, selon ton poids, ton âge. Dans le fond, ça décide un peu, voyons, combien de calories tu devrais ingérer et tout. Mais là, moi, puisque j'allaite, je suis allée augmenter le nombre de calories que je peux ingérer par jour. Il y a aussi une place où tu peux aller écrire justement ce que tu as mangé ou combien d'eau tu as bu dans ta journée. Puis le sommeil aussi, c'est une chose que je trouve ça vraiment intéressante. Dans le fond, moi j'ai écrit que je voulais avoir une moyenne de 8 heures par nuit de sommeil. Je me suis rendu compte que je dors vraiment quasiment jamais 8 heures, je dors plus des 7 heures. Fait que je me suis mis comme objectif de dormir à 8 heures. Fait que là, dans la dernière semaine, j'ai comme deux fois que j'ai réussi à dormir un 8 heures, sinon c'est toutes des 7 heures. Fait qu'on voit genre ton nombre de minutes et ton pourcentage d'éveil durant ta nuit, ton sommeil paradoxal, combien de temps tu en as eu, sommeil léger, sommeil profond et tout. Fait que moi, je vois vraiment comme combien de temps je suis restée réveillée, mettons à cause de l'allaitement ou juste parce qu'on se réveille dans la nuit sans s'en rendre compte. Sommeil paradoxal, je pense que c'est dans ce temps-là que tu fais des rêves, puis sommeil léger, c'est la plus grande partie de ta nuit, dans le fond, puis t'as un sommeil profond aussi. Fait que moi, je suis environ à entre 50 minutes et 1 heure et demie, à peu près, d'éveil durant ma nuit. Un sommeil paradoxal, là, j'ai 1h57 minutes, ce qui est quand même assez beaucoup comparé aux autres nuits, mais en tout cas. Après ça, j'ai un sommeil léger de 5h04 minutes environ et profond de 1h13. Mais genre, ça joue vraiment parce que, genre, sommeil paradoxal de 41 minutes, sommeil profond de 1h06, éveil 58 minutes, léger de 5h40, exemple. Bref, je trouve ça vraiment hot, fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous parle de plein de produits, plein d'affaires, mais sachez que ceci a été acheté avec nos sous. Ce n'est pas un colis qu'on a reçu. Ensuite, en 2013, j'ai été coach Beachbody.
Et j'avais le programme Brazil Butt Lift comme ça. J'ai eu aussi le Focus T25 de Shanti. Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner avec ce programme-là. Dans le fond, à date, j'ai fait deux de ces. Donc, trois de ces workouts-là. Puis un de Turbo Fire. Turbo Fire, c'est vraiment plus du cardio. Puis, Brazil Butt Lift, il y a du cardio, mais il y a aussi comme pour justement Brazil Butt Lift. Fait qu'il y a beaucoup d'abdos, puis il y a beaucoup de fessiers là-dedans. Donc, en gros, si je regarde mes statistiques avec ma Fitbit, ça me dit que ça me pousse plus comme en intensité, là. Genre, si je regarde mon pouls, exemple, ça me pousse plus en cardio que le Brazil Butt Lift. Mais en tout cas, c'est ça. En gros, je vois vraiment comme qu'est-ce qui ferait en sorte que je perdrais plus de graisse et tout, là. Fait que je travaille là-dessus. Puis j'aimerais peut-être ça, essayer la course. Mais on dirait que j'ai comme peur d'essayer puis que j'aime pas ça. Puis que je me sente mal de pas aimer ça, genre. Parce que j'ai jamais aimé courir. Mais en même temps, j'ai jamais couru avec la musique, j'ai jamais couru avec quelqu'un. Fait que tu sais, c'est tout le temps, genre. Les fois que je devais courir, c'est tout le temps parce que j'étais obligée dans mes cours d'éduc. Fait que je me dis, genre dans un cerceau, un anneau, là. Fait que peut-être que je trouverais ça plus le fun on my own, genre avec la musique et tout. Fait qu'on verra, mais c'est ça. Je voulais juste vous en parler, là, parce que c'est comme mon petit coup de cœur dernièrement, là. Alors voilà. Ah, oh, j'ai oublié de vous demander si vous avez des trucs à me suggérer justement pour. La perte de masse graisseuse. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de graisse au niveau abdominal, là. Puis plus que les autres fois après mes accouchements. Fait que c'est ça que je veux perdre en premier. Puis les bras aussi, énormément sur les bras. Fait que c'est ça que je veux focusser dessus, là. Pas pour maigrir, pas pour avoir l'air de la silhouette parfaite ni rien, juste pour me sentir mieux dans ma peau parce que je trouve ça désagréable. Comme pour moi, je me sentirais mieux comme si j'avais pas un ventre qui m'énerve. En tout cas, je me comprends, mais bref, ma peau a vraiment étiré cette fois-là, puis tu sais, j'ai comme un flap de mou là, puis tout là. Fait que. En tout cas, on va dire les vraies affaires, puis c'est ça que je pense pour l'instant, fait que. C'est ça. Je sais que c'est rien de dramatique, mais quand même, je veux être en forme, ça me tente d'être bien dans ma peau, puis je ressens le besoin de faire ça. Puis c'est pas pour rentrer dans le moule, c'est vraiment juste pour me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit. Fait que c'est ça, si vous avez des trucs à me suggérer aussi, là, peu importe, là, genre que ce soit niveau alimentation et tout, oui, je sais, il faut que j'arrête genre mon cappuccino vanille française à tous les jours avec la crème fouettée dessus, là. Clairement, parce que ça l'aide pas pour les gras abdominaux. Mais en tout cas, si vous avez des trucs, si vous avez des suggestions, genre des workouts que vous aimez faire ou un exercice en particulier que vous aimez faire, peu importe, parlez-moi-en parce que je suis super intéressée puis j'aime ça l'activité physique aussi. Fait que j'aimerais savoir vos trucs, suggestions et tout le tralala. Donc, soit en commentaire ou soit venez me parler en privé sur Facebook ou sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir. Et ça va me faire du bien aussi. Fait que c'est tout, je crois. Merci. J'ai reçu un autre colis pour les enfants, cette fois-ci, de BeFly. Puis je sais qu'ils vont nous annoncer une très bonne nouvelle très bientôt. Donc, on va ouvrir ça. Et je vous reviens. Donc, j'ai une belle petite carte ici qui dit à Mom Ready to Go, entrez dans la magie du rêve, BeFly. Donc, deux petits espèces de toutous ici. On voit que c'est des butterflies. Vraiment cute. Et ensuite, on a des petits livres. Je crois qu'il y en a pour plus vieux et d'autres pour plus jeunes parce que j'ai dit l'âge de mes enfants dans le fond. Alors, j'ai deux livres ici, Akina et Nico. Voilà. La découverte du monde de lumière et Nico à la recherche de son papillon guide. Fait que ça va être des livres pour Annabelle, je crois. Vraiment chouette. Et dans le fond, le gros texte, c'est pour les 5-7 ans.
Ou niveau 2, gros texte et petit texte, 7-10 ans. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ils peuvent lire juste le gros texte pour les enfants plus jeunes, 5-7 ans. Ou 7 à 10 ans, lire tout le texte au complet avec le texte plus petit. Des super belles images. Donc ça va être deux livres pour Annabelle. J'ai plus de batterie. Puis ici, les livres pour les plus petits que moi et Frédéric, on va pouvoir lire. Et également, je crois, l'année prochaine, Florence, on va être capable de lire. Donc, elle va pouvoir lire ces petits livres-là aussi. Donc, c'est avec les mêmes personnages que les deux petits toutous. Vraiment cute. Confifly et la confiance. Actifly et l'action. Optifly et l'optimisme. Persifly et la persévérance. Dreamifly et le rêve. Donc, on voit que c'est des thématiques sur comment expliquer justement les rêves, la persévérance, l'optimisme et tout. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de lire ça avec les petits cocos. Comme lecture de fin de journée, probablement. Donc, merci à BeFly et on attend la bonne nouvelle très bientôt. Je vais vous en faire part quand je pourrai vous en dire plus.